Ils ont peur. Ils sont plus de 50 là-dedans. Demain, ils seront tous tués. Tous. Pour leur viande. Ça y est, on est arrivé. C'est l'abattoir de Malençon. C'est le plus gros par ici. Essayez d'avoir des images, je vais essayer de rentrer. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous filmez là? S'il vous plaît. Hé! Hé! Préparez-vous là! Vous avez rien à foutre ici! La fin de l'esclavage. L'égalité des peuples, l'égalité des sexes, de tout temps l'homme a cherché à abolir les inégalités entre les êtres. Et aujourd'hui, qu'en est-il de notre rapport aux autres animaux? L'industrie de la viande connaît une véritable révolution, celle de la boucherie éthique. C'est ici même, à Vivières, que tout a commencé. Ah, ça c'est mon travail, c'est ce que j'ai filmé moi-même. Plus ou moins caché, mais c'est ce que j'ai filmé pour montrer ce que c'est les horreurs des abattoirs. Voilà. Ça, c'est 1935. Il a fallu que je fasse des recherches plus poussées, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à me poser des questions. Rien ne pouvait prédire le parcours de cet homme, un fervent amoureux de bonne viande. Daniel est boucher-charcutier de père en fils depuis 3 générations. Un jour pourtant, Daniel a remis toute sa profession en question. La première fois que j'ai visité un abattoir, c'était parce que j'étais membre de la Confédération française de la boucherie et je suis allé à l'inauguration d'un abattoir. Cet abattoir, il tue 575 vaches par jour. Vous vous rendez compte? Par jour. Quand on mange de la viande, c'est pas de la viande. C'est des animaux, des êtres, qui ont eu une vie, qui, comme vous et moi, qui étaient vivants. Mais bon, quand on mange de la viande, hein, on mange de la viande. De le voir, ça m'a... On ne se rend pas compte de l'horreur que c'est. Non, on ne se rend pas compte de l'horreur. Je ne voulais plus être hypocrite. Manger de la viande, oui, mais à quel prix? Tuer les animaux est-il toujours nécessaire? C'est les questions qui ont hanté Daniel les semaines suivantes. Regardez ça. Ils vont plus vite que s'ils avaient des jambes. C'est ça qui a fait tilt dans ma tête. Tout est venu de là. Bah oui, ils sont heureux. Médaille d'or. Vous vous rendez compte? C'est grâce à eux. Daniel a étudié des dizaines de vidéos d'archives du Centre de recherche sur le bien-être animal de Maison Alfort. Ça, c'est en 1936. On fait des prélèvements à tous les stades de fabrication grâce à des fistules. Voyez-vous, j'étais pas le premier. Oh, ils ont fait des expériences, mais comme ça marchait pas, ils ont laissé tomber. Ils ont préféré le cacher parce que c'était trop horrible, quoi. Ils ont tué pas mal de bêtes. Hein. Ils pensaient y arriver, mais en fin de compte, ils n'avaient pas les techniques que nous avons actuelles. Ça me rappelle les jours où j'étais dans les abattoirs. C'est la même sorte d'image. Ça a été dur. Expérimentaux et trop coûteux pour l'époque, ces tests furent abandonnés quand la guerre arriva. On oublia vite les animaux quand la boucherie devint humaine. Six mois plus tard, Daniel donnait naissance à la première boucherie éthique du 21e siècle. Ben, on a tous eu un peu de mal à comprendre ce qu'il voulait faire, en fait. C'était assez original comme démarche, hein. On a même pensé qu'il était devenu un peu bizarre, un peu zinzin. Ouais. Finalement, il a bien fait. C'est un précurseur, on peut dire ça, un précurseur.
Voilà, il faut qu'on réfléchisse un peu à notre façon de consommer, qu'on soit un peu plus responsable. Donc c'est bien. Daniel est ému à la pensée de tout le chemin parcouru pour en arriver jusque-là. Regardez, pas un seul morceau de cadavre ici. Hein ? C'est pas beau, ça ? Le principe est simple. La boucherie éthique permet de conserver une alimentation carnée sans atteinte à la vie d'un animal innocent. Voici la première publicité vidéo sur cette innovation, largement diffusée et visionnée sur Internet. Tuer des animaux ? Bah, c'est pas très rigolo. Mais moi, j'adore la viande et puis tout le monde en demande. Alors pour en manger, nous, on préfère prélever. On enlève des morceaux, juste ce qu'il faut. Et on met des prothèses pour qu'elles soient plus à l'aise. Alors pourquoi tuer ? Si on peut juste prélever. La boucherie éthique, manger la conscience tranquille. Le prélèvement est-il vraiment la solution pour ce que Daniel appelle une viande heureuse ? Une viande sans souffrance. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Donc au début, on avait une toute petite ferme où on récupérait des animaux maltraités ou des animaux qu'on sauvait de l'abattoir. Et puis depuis que Daniel nous a parlé de son idée de mettre des prothèses ou de récupérer des animaux de sa boucherie, on a adhéré tout de suite, on en a récupéré plein. Et du coup, voilà, on a tous ces animaux-là qui sont heureux. Ça, c'est Chipolette, c'est une des premières truies qu'on a récupérées de la boucherie de chez Daniel. Et puis, bah, c'est un peu la mascotte ici, parce que ça fait quelques temps qu'elle est là. Maintenant, elle nous connaît bien, puis elle n'a plus peur. Oui, alors ça, c'est trois animaux à qui on a prélevé des côtes. Donc, ça ne se voit pas. Et ils sont là, ils sont heureux, ils sont bien. Et puis, ils ne savent même pas qu'on leur a enlevé des côtes, quoi. Oh, oui. Même là, à travers les poils, on voit. C'est quand même fait très chirurgicalement. On a fait beaucoup de progrès, donc maintenant c'est fait très proprement. Ouais. Enfin, c'est pas un truc où on leur met un truc dans la tête et puis non. Et non, hein. Et non. Voilà. Ils sont pas heureux là. Marie Jaubert est une vétérinaire spécialisée en prélèvement. Elle exerce cette pratique depuis plus d'un an. Pour la viande de jarret et d'épaule, voilà, bon, bah, y a aucun souci. Hein. On leur met une prothèse et puis c'est sans impact sur l'animal. Alors, on ne prendra aucun risque pour l'animal de toute façon. Ça, c'est une règle d'or ici de notre institution. C'est vrai qu'on a fait des tests par rapport aux côtes, savoir si on pouvait prélever deux côtes sur trois. Et là, on s'est rendu compte que c'était, c'était un peu limite au niveau de la respiration. On frisait l'asphyxie, quoi. Donc, en fait, on se contente d'une côte sur deux. Et là, bon, il n'y a aucun souci pour la vache, quoi. Elle peut respirer complètement librement. On a, en fait, des nouveaux anesthésiants qui sont sans aucun impact sur le sang de l'animal et sur la qualité de la viande. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sans danger pour notre santé à nous, consommateurs. Donc ça, quand même, c'est un pas énorme. Et après, en fait, les animaux prélevés sont envoyés dans des entreprises refuges. Ce que Marie appelle les animaux prélevés sont finalement des animaux amputés. Ainsi, peut-on parler d'une vie heureuse ? On a voulu en savoir plus sur leur vie post-élevage. Pour nous, ils ne sont pas handicapés, hein, pas du tout. Au contraire, franchement, je pense que c'est même une chance pour eux, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, la viande qu'on mange, enfin les animaux qu'on mange, ils ont des durées de vie super courtes. C'est comme si on envoyait, je sais pas moi, des bébés à l'abattoir, quoi, des enfants. Alors que là, maintenant, non seulement bah, on mange de la viande éthique et mature, mais en plus, les animaux, ils vivent vachement plus vieux, ils meurent de vieillesse. C'est un peu comme, je sais pas, on pourrait dire que c'est un peu nos retraités à nous, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ils ont fait leur temps, ils ont fait leur part du boulot, et bah, maintenant, ils ont droit à un peu de repos. Tout simplement. Moi, oui, je suis toujours ému quand je viens ici. Vous rendez compte le nombre d'animaux qu'on a sauvés. Oh, c'est un petit peu mon arche. L'arche de Daniel. Ah oui, l'arche de Daniel. L'arche de Daniel. Ça, c'est le lait de Malelu.
Si on n'avait pas réussi à la sauver, ben, j'aurais pas pu le boire. Voilà. Ça, c'est son lait. Pas vrai, Lulu? Hein? Il est bon, ton lait, hein? Heureusement que t'as sauvé la vie, hein? Son projet éthique en place, Daniel a dû affronter beaucoup de résistance. Ce sont des lettres de menace. Vous voyez? Et encore, ça, c'est la deuxième boîte. Parce que la première boîte, je l'ai planquée quelque part. Celle-là est encore pas très méchante. Daniel, fais gaffe, on sait où t'habites. Dédé. Mais il n'avait pas compris. Bon, voilà. Et en plus, il m'envoie une lettre anonyme et il met son nom derrière. Vous voyez? Ah là 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 là. Mais le plus dur, ça a été les abattoirs. Eux, vraiment, au début, ils n'ont pas compris, ils m'ont pas fait de cadeau. Mais vraiment, pas de cadeau. Hein. Je ne voulais pas lâcher. Je me suis dit, on ne peut plus tuer les animaux. On ne peut plus tuer les animaux. Simplement, on prélève, c'est tout. Mais je ne tue pas les animaux. C'est quand même important, non? Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, aussi... C'est comme ça, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, ben, les gens d'abord ils gueulent, ensuite ils réfléchissent, mais d'abord ils gueulent. Et je vous dis, heureusement que j'ai su m'entourer d'hommes compétents qui m'ont aidé à monter mon projet, qui ont vu que c'était un projet sérieux de protection des animaux, c'est tout. Cette tendance éthique profite aussi à d'autres secteurs d'activité. En effet, on peut clairement parler de nouveaux marchés en pleine expansion. Depuis les recherches de Daniel et les dernières avancées, en moins d'un an, on a créé plus de 120 emplois. Aujourd'hui, c'est 200 prothèses qu'on vend chaque jour, plus de 200. Donc, ça nous permet de financer la recherche dans de nouvelles prothèses pour améliorer le bien-être des animaux. Donc, moi, si j'ai une chose à dire, c'est merci, Daniel. Aujourd'hui, on peut s'adapter à plus d'une dizaine d'espèces quadrupèdes différentes. Grâce à l'impression 3D, on a réussi à minimiser extrêmement les coûts. Hein. Donc on redistribue énormément à nos salariés. On est l'une des PME dans l'Île-de-France qui rémunère le mieux ses employés. Nous, en fait, ici, on parle de transanimalisme, en parallèle au transhumanisme. Hein. On est un peu sur des animaux 2.0, plutôt des animaux augmentés. Ils vivent mieux avec nos prothèses et certains en tirent même des avantages concrets. Il ne s'agit pas de concurrence en fait, on est bien au-delà de la viande in vitro. On ne mange pas de la viande in vitro pour deux raisons. La première, c'est qu'ils savent très bien faire pousser la fibre musculaire, mais il leur manque en fait la trame conjonctive, qui est tout ce qui est nerfs, cellules graisseuses et vaisseaux sanguins en fait. Et c'est ce qui fait en gros la saveur de la viande. Nous, notre travail de base, s'il y a une réflexion économique, c'est bien pour concurrencer et dépasser d'ici 30 ans tout ce qui est abattage traditionnel, parce que notre but, c'est celui de Daniel finalement, c'est le bien-être animal, c'est de pouvoir sauver l'animal. Moralement, je crois que c'est ce qui nous permet tous les jours de nous rendre au travail. On a une mission. Et ça se ressent dans le moral de nos employés, dans nos vies personnelles, etc. Nous sommes allés voir ce qu'en pensent les défenseurs historiques de la cause animale. Go Vegan est un groupuscule activiste pour la cause animale. Parfois appelés éco-terroristes, ils ont diffusé sur Internet des images insoutenables d'abattoirs traditionnels et se revendiquent de la mouvance extrême vegan. On était assez extrême dans notre démarche. Ouais. Il y a 2 ans, on militait encore pour le végétalisme. Bon, c'était utopique, mais il n'y avait pas d'autre choix, quoi. Donc c'est vrai que la boucherie éthique, elle est venue tout bousculer. Là. C'est la seule véritable solution aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est la moins pire, quoi. Ça, je peux vous le confesser. On s'est remis à manger, enfin, je me suis remis à manger de la viande éthique. Et franchement, un bon steak, c'est quand même autre chose que de la soupe au tofu, quoi. C'est vrai. Non, mais faut le dire. C'est... Bon. Ouais. J'ai une fille, bon, elle avait jamais mangé de viande. Parce que je l'avais éduquée pour, quoi. Et bah, c'est vrai que depuis qu'elle en mange, elle découvre de nouvelles saveurs. Déjà, elle est en meilleure santé. Elle n'a plus besoin de compléments alimentaires, de médicaments, tout ça. Et puis surtout, je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Et sans culpabiliser.
Tu vois, Gaston, il a le goût de Gaston. C'est-à-dire que... On a changé le nom de l'association. Go Vegan, c'est devenu Go Life. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté les actions coup de poing. Ça veut dire simplement qu'on les a réorientées. Puis je pense qu'avec notre légitimité, on n'aura pas de mal à, tu vois, à faire évoluer les comportements extrêmes. Quoi, tu vois. On était très tôt dans le projet avec Daniel. Et on a créé ensemble le label éthique Go Life. On a un nouveau logo, Go Life. Et tout ça, c'est pour faire évoluer les démarches pour favoriser les démarches qui vont dans le sens de la vie. Quoi, tu vois. Si la boucherie éthique a été le moyen de renouer avec la viande pour beaucoup de ceux qui l'avaient bannie, le combat ne semble pas terminé pour autant. On va essayer d'arrêter une bétaillère, là, parce qu'il y a un centre de prélèvement qui, en fin de compte, utilise notre logo et, en fin de compte, ils tuent les animaux. Et ça, c'est pas normal, c'est pas du tout normal, quoi. C'est vraiment pas du tout normal. On ne triche pas avec mon label, vous savez. On ne triche pas, non, avec mon label. J'ai gagné des procès là-dessus. J'ai gagné des procès. Hein. Alors ? On est une quinzaine, hein, on est ancré là. D'accord. Il y a combien de bovins qui vont être transportés ? Je pense qu'on a une vingtaine de têtes. Une vingtaine ? Ouais, charolaises. Et c'est, la bétaillère, elle fait combien ? 15 tonnes ? 30 tonnes ? Je sais pas, mais c'est une grosse. C'est une grosse. Ah, ouais. D'accord. Ok. Vas-y. Oui. Oui. Il est hors de question de mêler notre nom à des sales œuvres, voilà. Ok, donc la bétaillère arrive, là, il va falloir y aller. Prélevez, pas tuer. Stop au massacre. Foncez. Ils sont obligés de bloquer. Ils bloquent de tout de l'intérieur. Il a tout bloqué. Malgré l'engouement, la viande éthique ne fait pas encore l'unanimité chez les défenseurs de la cause animale. On a cru à une grosse blague au départ, en fait, très clairement. Quoi. On ne pensait vraiment pas que ce serait un sujet qui allait émerger, qui allait prendre tant d'ampleur en France, tellement l'idée nous paraissait complètement farfelue au départ. Et je dois avouer qu'au départ, on n'y prêtait même pas attention. Quoi. On croyait même que c'était un fake total. Ben, en tout cas, aujourd'hui, on est obligé de considérer cette idée. Et nous, en tant qu'association L214, on s'oppose totalement à cette idée. On ne pense pas que la mutilation d'animaux soit une solution à l'idée de continuer à manger de la viande. Pour nous, ce n'est pas une solution du tout. Et la seule solution aujourd'hui, tout simplement, c'est d'arrêter l'exploitation animale. On ne peut pas, à un moment donné, décider de s'approprier comme ça le corps d'un animal, le mutiler, le rendre handicapé. Simplement pour un plaisir gustatif et qu'il y a, à notre avis, une remise en cause plus radicale à faire sur le système d'exploitation animale aujourd'hui. On n'est pas accroché à notre steak au point de mutiler des animaux pour continuer à fournir les assiettes. Il y a quand même une solution beaucoup plus simple que ça. I don't see how in any way you can be demonstrating respect to an animal by cutting off a piece of its body, even if you do it with anesthetics. That's not respect at all. I mean, the question is, why does anybody even need to do that when there's no necessity for doing that? People should ask themselves, would I be happy without an arm? Would I be happy with a part of my body being cut off for somebody's meal? I don't think anybody would certainly agree to that. It goes back to the golden rule, don't do anything to anybody, including any animal, that you wouldn't want being done to yourself. The whole concept of ethical slaughter is sort of like, you know, military intelligence, really. It's contradictory. Mais faut-il écouter ces extrémistes? Sont-ils sérieux? Peut-on se passer de la viande?
Les dernières recherches vont dans le sens des extrémistes, c'est-à-dire que effectivement, l'humain semble pouvoir se passer complètement de la viande pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, les régimes végétariens sont complètement approuvés et encouragés par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Mais je crois qu'il faut être sérieux deux minutes, c'est-à-dire que les végétariens sont déconnectés de leur propre nature. Nous sommes des omnivores, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait notre évolution. Le végétarien se met dans une position d'exception face à l'animal, quoi, et dans un refus d'accepter une réalité de cruauté qui l'entoure. Le végétarien est un humain qui rejette la nature telle qu'elle est et qui préfère une nature telle qu'il se l'imagine. Aujourd'hui, ça nous paraît cruel, plus que cruel. Qui pouvait faire en sorte qu'on mangeait de la viande. Dans l'histoire de l'humanité, les premiers signes du végétarisme remontent à Pythagore. Et d'ailleurs, à l'époque, ils se faisaient appeler les légumistes. Rien que l'appellation, ça donne une idée de l'absurdité du mouvement. Ça a eu quand même un fort écho, à l'époque, parmi la population. Et d'ailleurs, d'un point de vue strictement chronologique, ça coïncide parfaitement avec la chute de la civilisation grecque. C'est donc un signe, c'est même une preuve de la décadence d'une civilisation qui a perdu peu à peu tous ses repères philosophiques, éthiques et moraux. Oui, c'est vrai qu'on nous demandait de plus en plus de place en viande. Or, ici, on représente quand même la gastronomie française. C'était très compliqué pour nous de faire sans viande, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des paupiètes de veau, qu'est-ce qu'on fait du coq au vin ? Le cassoulet, évidemment. Et c'est là, c'est à partir du moment où on a commencé à se tourner vers la viande éthique. Et actuellement, je crois qu'on peut dire qu'on est à 100% éthique, quoi. Voilà. Oui, alors, évidemment, on ne peut pas éviter le foie gras. Seulement, et vous faites très très bien de me poser cette question, parce que là, on est en partenariat avec une entreprise qui est en train de faire des recherches, l'idée étant, afin de ne pas tuer l'animal, de remplacer le foie juste après prélèvement. Donc, ce qui permet de rentrer totalement dans la charte éthique. En tout cas, on est le premier restaurant à avoir obtenu le label Go Life parce que nous sommes considérés comme proposant à quasi 100% de la viande éthique. L'éthique, oui, mais entre guillemets, la bonne bouffe d'abord. Et il se trouve que les deux sont totalement compatibles. C'est vrai que abolir la viande, c'est démodé aujourd'hui. Le prélèvement, c'est un contrat avec l'animal. On nourrit, on l'élève, on protège du froid. Et lui nous fait don d'une partie de son corps. Nous, on est antispécistes. C'est-à-dire qu'on considère que l'animal est l'égal de l'être humain. À partir de là, l'animal, il est intégré à la société de l'être humain. Or, quelque chose qui s'applique à l'être humain doit s'appliquer à l'animal. Donc ça va être le droit à la vie, le droit de posséder en fait, son corps, d'en faire ce qu'il en veut, et du coup, le devoir de travailler. Aujourd'hui, on peut difficilement leur faire porter des charges, etc., etc., ou leur faire tirer une charrue, puisque ce sont des métiers qui ont disparu, en fait. Les métiers pour les êtres humains qui ont disparu, on les a pas recréés pour le plaisir des êtres humains. Ils ont dû s'adapter, ils ont dû se former. Les animaux, pareil. Aujourd'hui, le seul travail qu'ils peuvent faire pour rendre ce qu'on leur donne à la société, pour gagner leur liberté, en fait, c'est d'être producteurs de viande. Il y a eu quelque part un espèce de talent de communication autour de ce projet-là, de faire croire qu'il n'y avait que ces deux possibilités-là, quoi. Et quelque part, nous, qui défendons le véganisme et l'abolition de l'exploitation des animaux, on a été un peu évacués, quoi. On a même perdu énormément de followers depuis qu'il y a cette solution des bouches critiques. Mais voilà, à un moment donné, il faut se dire qu'on peut se passer de viande, et c'est pas un problème. Hitler aussi était végétarien. Non, mais là, en fait, je trouve c'est intéressant de souligner, c'est que les camps de la mort nazis, comme Auschwitz, ont inspiré les méthodes d'extermination animale. On n'osait pas le dire auparavant, mais avec les mentalités qui ont évolué, on peut s'accorder à concevoir qu'il s'agit d'un véritable génocide animal. Un génocide silencieux. 65 milliards. 65 milliards d'animaux terrestres sont tués tous les ans pour nourrir les humains. 65 milliards. Et selon l'histoire, avec un grand H, l'évolution de l'humanité fait que nous nous situons exactement entre la consommation de la viande et l'arrêt du massacre animal de masse.
Nous trouvons actuellement un point crucial de notre évolution. Alors, arrêter la viande, non. Mais ne plus tuer, oui. Nous voici entrés dans l'ère de ce que j'appelle le néo-prélevage. Ne plus tuer, qu'en pensent les chasseurs? C'est ce qu'on a voulu savoir en rencontrant Michel, chasseur depuis plus de 20 ans. Récemment, Michel s'est mis à la chasse éthique. Attends. Ouais. Laisse tomber, je l'ai eu il y a 2 semaines. Ah. Bien sûr que j'aime les animaux. J'aime les animaux, c'est évident. Sinon, je ne me serais pas mis à la chasse éthique. Il y a beaucoup plus de challenge, parce qu'il faut viser juste. Et au bon endroit, quoi. Là, voilà, si on ne veut pas tuer l'animal, il faut vraiment mieux viser. Ouais. Donc c'est pour ça que, du reste, j'ai changé mon 12 contre cette carabine de précision. Et ben voilà, il faut savoir s'en servir. Hein. C'est pas de la chevrotine. Hein. Alors, moi, je vais vous dire, ça va peut-être vous faire rire, hein, mais quand je loupe mon coup, ça m'est arrivé une fois. Et quand je loupe mon coup et que je tue un animal, ça fait mal au cœur. Moi, je pense que si on pouvait demander aux animaux leur avis, ils seraient partants. Ils diraient, mais oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Ils ne sont pas abattus avant d'avoir pu se reproduire. Donc, quelque part, ils laissent une trace. C'est bon pour la conscience du chasseur, c'est bon pour l'animal. Voilà, il n'y a aucune raison qu'on s'y mette pas. J'aimerais bien une deuxième, quand même. Oh, écoute... Si on ne les mangeait pas, on ne mettrait pas au monde la plupart des animaux de ferme. Élever, c'est préserver. Bon... Le dodo, par exemple, vous savez, une sorte d'animal qui vivait sur l'île Maurice. Et ben, le dodo, tout le monde s'en moquait, personne ne le mangeait, ben, il a disparu. Donc je suis le plus fier, c'est que nous avons brisé un tabou. Maintenant, les gens mangent de toutes sortes de viande, voilà. Alors il y a du lion, il y a du paresseux, il y a du koala, il y a des éléphants, il y a de l'éléphant, de la girafe, et puis voilà, et même du panda qu'on vient de recevoir, quoi. On a même aussi du hérisson, du kangourou, mais bon, le kangourou, c'était déjà comme ça avant, ouais. Non, mais c'était très hypocrite avant, quand même, c'était très hypocrite quand même. T'es mignon, t'es vivant, t'es moche, je te tue. Et je te mange. Et puis maintenant, on fait venir du dauphin, parce que le dauphin, c'est pas du poisson, c'est un mammifère, et ils adorent ça, les gens adorent beaucoup le dauphin, voilà, quoi. Donc ça prend de l'ampleur. Non, les poissons, on s'en fout complètement. On les tue et puis voilà, c'est terminé. C'est comme les poules, faut pas être, il y a des limites. Faut pas être extrémiste, sinon c'est pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec la boucherie éthique. Il y a 2 ans, je suis allée au Kenya pour, comme consultante dans un élevage de lions. Au début, ils avaient à peu près 20 bêtes. Et maintenant, ils en sont à plus de 1000. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait entre 20 et 1000 lions, c'est énorme. Voilà. Donc maintenant, les lions, ce ne sont plus des espèces menacées. C'est des espèces comme nos cochons, quoi. Avant, manger de la viande, c'était tuer des animaux. Et maintenant, manger de la viande, c'est les sauver. Moi, j'encouragerais les gens à consommer plus de viande éthique, en fait, tout simplement. Parce que je pense que c'est une libération pour les animaux. Regardez le paradis qu'on leur a créé ici. Ils sont super bien, ils sont super heureux. Quand même un gros contraste avec le mode de vie qu'ils avaient dans des élevages intensifs où les conditions de vie sont abominables. Voilà. Non, je pense qu'on peut être assez fiers de ce qu'on a fait ici. Cette nouvelle tendance éthique profite de toute évidence au monde animal. Certains opposants y trouvent malgré tout des choses à redire. La boucherie éthique, sur le papier, c'est peut-être une idée intéressante. Mais croyez-moi, moi je rencontre les gens, je vois comment ça se passe. Et c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Ça n'a rien d'écologique, hein. C'est une catastrophe environnementale, je peux vous l'assurer. Vous voulez que je vous dise comment on fait pour maintenir tous ces animaux en vie? On utilise 2/3 des terres agricoles mondiales. Hein, c'est 2/3 des terres agricoles mondiales qui sont utilisées pour maintenir ces animaux en vie. Et j'ose même pas vous parler des chiffres concernant l'eau et la pollution que ça engendre. Non, non, franchement, soyons réalistes. Si on continue dans cette direction... Dans 10 ans, on est foutu. Dans 10 ans, hein, on sera obligé d'arrêter la viande. Et c'est ce que tout le monde souhaite? Non, non. Franchement, la seule solution,
c'est d'arrêter tout ça. On ne peut pas maintenir ces animaux en vie. Il faut les tuer. Ce n'est pas moi qui ai inventé la chaîne alimentaire. Manger de la viande, ça pollue. Arrêter. Si vraiment c'était ça, il y aurait longtemps qu'ils auraient trouvé quelque chose. Ou bien ils nous auraient dit d'arrêter. Mais non, mais respirez-moi cet air. Hein? Respirez-moi cet air. Vous voyez? Vous voyez la pollution? Non, mais... Gérard est éleveur. Il a été au chômage pendant plus de 3 ans. Grâce à la boucherie éthique, il a retrouvé un emploi. Un travail qui, en plus, selon lui, donne un sens à sa vie. Je ne me vois pas faire autre chose, non. Non. Ça, c'est... si on m'interdit ça, j'ai plus rien. Non, puis je peux plus m'imaginer sans tous mes animaux, là. C'est pas possible. Je peux même pas penser qu'il faudrait les tuer. Les éleveurs, ils se retrouvent financièrement. Regardez Gérard, il se retrouve avec un cheptel de vaches et de moutons, ouais. Et il gagne pas mal de sous. Hein. Même privé des pattes, moi je peux continuer à traire les vaches, à tondre les moutons, il n'y a pas de souci. Sur le long terme, c'est hyper rentable. Ah ouais. Allez, toi aussi, tu vas avoir ta prothèse ? Hein ? On ne peut pas arrêter, tout le monde irait au chômage, tout le monde irait sur la paille. Ah oui. Je préfère voir les animaux sur la paille que te voir à toi. T'es con. Dans l'exploitation animale, c'est pas nouveau. Hein. On utilise toujours des termes pour essayer d'enrober en fait la réalité. C'est-à-dire que quand on castre des porcelets, quand on leur coupe la queue, quand on leur lime les dents, dans les élevages porcelets, on dit qu'on fait des soins aux porcelets. On dit quand on tue les animaux, par exemple l'étourdissement dans les abattoirs, qu'on les euthanasie, qu'on fait une euthanasie. On essaye toujours d'enrober. Et d'ailleurs, ça montre bien qu'il y a une espèce de paradoxe et un malaise par rapport à tout ça. On est obligé de maquiller la réalité pour qu'elle soit plus acceptable et plus défendable pour le consommateur. Ouais, c'est assez rare de ne pas avoir à mentir, hein, enfin de mentir par omission ou de cacher la réalité juste pour vendre, hein, ou être impactant dans une campagne de publicité. Là, on est vraiment revenu à l'essentiel du métier. Hein, on est revenu au produit. Enfin, quand je dis produit, on est revenu à un storytelling bien senti par rapport au produit. Là, par exemple, on a Madeleine. Madeleine, 7 ans, donc une vache, 1,2 tonnes, qui vit en Savoie. Et Madeleine donc a fait le choix, c'est pas vraiment un choix, mais elle nous a fait don d'un steak. Voilà. Donc merci Madeleine, elle a mérité une retraite, hein, dans sa petite Savoie natale. On reçoit aussi les gens qui, s'ils ont envie, ils peuvent venir au refuge et voir les animaux qui les ont nourris, en fait. Hein ? Tu as donné à manger à quelqu'un, toi, hein. Tu es gentil, ma chérie. Et maintenant, sur la viande, c'est marqué où l'animal se trouve. L'animal qui vous a nourri se trouve. Et vous pouvez venir ici, le voir, et puis éventuellement le remercier. Je trouve que c'est bien. C'est quelque chose de nouveau. Avant, on pouvait pas le faire, on va pas se mentir. Hein. Avant, on pouvait pas montrer la photo du cadavre sur le paquet. Non. C'était pas très vendeur, ça, c'est sûr. Nous, on ne vend plus de la vache. Hein. On vend des côtes de Magali qui sont différentes de celles de Rachel, qui sont différentes de celles d'Isabelle. Et c'est même un atout de vente supplémentaire pour ce genre de produit. C'est vrai qu'assez rapidement sont arrivés les mots de responsabilité, réconciliation, commerce éthique, liberté, responsabilité. Et ça nous a marqué. On est des publicitaires, c'est important pour nous quand même de donner du sens, de travailler sur des produits quali, de travailler sur des produits qui nous touchent. Et là, on est au cœur du truc. Et c'est ça qui compte. Moi, je vais vous faire une confidence. La viande, c'est un petit peu comme la clope. J'ai un petit peu du mal à m'en passer. Bon. C'est éthique. C'est bien, non ? Y a-t-il une limite au procédé de la boucherie éthique ? Daniel n'est jamais à court d'idées et imagine déjà la suite. Non, on ne peut pas tout prendre sur l'animal. C'est pas possible. Il faudra compter avec le progrès technique. On pourrait essayer, mais on tuerait l'animal. C'est pas la peine. Tant qu'on est obligé d'attendre. Par exemple, je sais que la langue, on pourra la faire bientôt. Parce que franchement, ils n'ont pas besoin de langue. Les bovins n'ont pas besoin de langue. Voilà.
Oui, on fait les tests. On essaie de récupérer les foies et les cœurs. Mais bon, là, c'est trop technique. On laisse ça aux pros, parce que nous... Daniel est modeste. En effet, la recherche avance à grands pas. Sur cette vache expérimentale, toutes ses côtes ont pu être remplacées par du titane. L'ouverture sur le côté leur permet d'atteindre l'intérieur de l'animal sans opération chirurgicale lourde. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot éthique ? En philosophie, c'est une branche philosophique, mais... C'est vrai que quelquefois, il y a des enfants qui ne sont pas très... Mais je pense que c'est plus l'ambiance familiale que véritablement le fait de mon projet qui consiste à... C'est pas de la propagande, c'est simplement une forme d'éducation pour leur expliquer le pourquoi, le comment. Vous avez d'autres entreprises qui font de la publicité dans les grandes écoles. Pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on vient aussi, en plus, éduquer de futurs consommateurs. Parce que c'est ça le plus important. Les jeunes, ils sont ouverts. Ils sont réceptifs. Ils ne sont pas encore formatés comme nous, les vieux cons. Les jeunes ont besoin de tendance. Mais moi, je ne le vois pas comme une tendance, mais comme une vraie évolution logique. On ne pourra pas revenir en arrière. Manger éthique est le nouveau combat politiquement correct chez les jeunes. C'est sur le réseau social YouTube qu'ils se retrouvent pour parler de leurs expériences. Marion Seclin, célèbre youtubeuse connue entre autres pour avoir dévoilé son régime végétarien, témoigne. La viande me manquait pas tous les jours, mais c'était c'est quelque chose qui fait plaisir, quoi. Puis j'aime bien me faire plaisir, je suis très contente de pouvoir à nouveau manger. J'ai jamais osé parler de végétarisme parce que j'avais très peur de la réaction des gens et de perdre des abonnés. Mais aujourd'hui, très sincèrement, c'est tellement obsolète comme sujet que c'est même plus la peine d'en parler. Enfin, maintenant, il y a la boucherie éthique. Et ça, par contre, c'est un sujet qui rallie tout le monde. C'est comme être contre la guerre ou trouver ça dommage que les gens polluent, quoi. C'est sûr qu'au moins, avec ce sujet, je risque de choquer personne. Alors, je vous présente donc Kikou. Kikou est ma chienne depuis maintenant 5 ans. Et elle m'a fait le plus beau cadeau qu'on puisse espérer, puisqu'elle m'a fait don de sa patte arrière droite. Fouaché. T'inquiète. Marion Sequin n'a pas été la première à avoir prélevé son chien. Grâce aux méthodes saines de la boucherie éthique, certains en profitent et peuvent désormais apprécier gustativement leurs animaux domestiques qu'ils adorent. Aujourd'hui, il y a un peu de Kikou en moi. C'est une manière de me rapprocher totalement d'elle, de fusionner, quoi. J'entends les gens qui disent « oui, c'est horrible », mais non, en fait, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème, en fait. Un autre youtubeur a réussi le pari de toucher les consciences et le tout avec humour. C'est Grégory Guillotin de la chaîne Nous, avec ses fameuses caméras cachées. Salut à tous, c'est Greg Guillotin. Aujourd'hui, nouveau prank. On est dans un centre de prélèvement et on va faire croire à une cliente que son chien est mort. C'est parti. Nous. Le prank. Voilà. Les 4 petites côtelettes de Milo. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ah, super. Voilà, il y a les 4 côtelettes. Hein, donc, voilà. Je vous donne une petite carte de fidélité. Hein, à vous, vous repartiez. Et puis je vous souhaite un très bon week-end, merci encore d'être venu. Comment ça marche Je vais le chercher Les côtelettes sont là, et Milo il est à l'abattoir aujourd'hui. Enfin, il est... Milo, il est... Voilà. Non, mais moi, c'était pas du tout question d'abattoir. Moi, j'étais... c'était juste pour un prélèvement, en fait. Vous l'avez emmené à l'abattoir? Ah bah oui, c'est ce qui était prévu avec mon collègue Martin la semaine dernière, vous l'avez vu, et vous aviez... Enfin, plus là, quoi. Enfin, il n'y a plus de Milo. Enfin, là, vous avez vos côtelettes. C'est ce que vous étiez venu chercher. Il y a Milo. Milo est là. Pas Milo. Vous avez tué mon chien. Enfin, pardon, vous avez tué mon chien. Il est à l'abattoir, il est mort, là. Il y a de fortes chances, parce que c'est quand même des grosses machines qu'ils ont. Et puis le petit chien est un... Enfin, Milo, si je me souviens bien, c'est un petit gabarit, quand même. En tout cas, à mon avis, là, il est quick, quoi. Enfin, il n'y a plus de... Vous inquiétez pas, écoutez. Je vois que... On se calme. Peut-être qu'il y a un malentendu. Parce que vous l'avez laissé là-bas, la semaine dernière. Oui, c'est ça. Eh ben, il est peut-être encore. Regardez, c'est Scooby, maintenant. Oui, attendez, je vais vérifier à l'intérieur.
Je pense pas qu'ils aient fait une erreur sur les noms, quand même. Non, mais il n'y a plus rien, là. Bah, il n'y a pas de Milou, je suis désolé. Ça veut dire quoi? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'il est parti à l'abattoir. Enfin, je peux rien vous dire d'autre, moi. Faudra rappeler en début de semaine prochaine. Et non, vous mais voyez... attendez, je vais pas appeler en début de semaine prochaine. Je vous ai confié mon chien, vous l'avez tué. J'étais venu pour un prélèvement. Vous avez assassiné mon chien, en fait. C'est ça qui s'est passé, monsieur. Bon, écoutez, ce qu'on va faire pour vous dédommager, s'il y a eu un problème, un malentendu, non, mais vous choisissez un chien de votre choix. Vous choisissez le chien de votre choix. Je vous prends la côtelette que vous voulez. Je vous la prélève dans l'après-midi. Vous partez avec 3 côtelettes pour le prix de 2, de 4, non, 5 côtelettes pour le prix 4. Qu'est-ce que vous faites? Non, attendez, avant d'appeler la police, je vais vous dire un truc avant d'appeler la police. Tout ça, c'était une blague. C'est une caméra cachée. Regardez, il y a une caméra qui est là. C'est pour la télé. Ah, j'ai vu votre tête. J'ai eu trop de peine. J'ai eu trop de peine. Votre chien, il a juste été prélevé. Il est pas mort. Ne vous inquiétez pas. Voilà, reprenez-le. Tout le monde était complice. Tout le centre de prélèvement. Et vous allez repartir avec votre Milo en pièces détachées parce qu'on va aller vous chercher les côtelettes là-bas. Donc c'est parti. Venez. Allez vous voir. L'image, c'est toujours là qu'on rigole le plus. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Bon, bah allez. Les comportements ont changé. La révolution de la viande éthique n'est plus à discuter. Et l'homme dans tout ça? Ne serait-il pas un animal comme un autre? Je suis paraplégique de naissance. Ça veut dire que j'ai jamais pu marcher. Et jusqu'à maintenant, on n'avait jamais eu les moyens de m'acheter un fauteuil électrique. Donc j'avais un fauteuil à l'ancienne et il fallait faire comme ça tout le temps, quoi. Et le problème, c'est que je ne suis pas très sportif. Et du coup, j'avais toujours rêvé d'avoir un fauteuil électrique pour être plus indépendant. Et en début d'année, papa a eu l'idée de vendre la moitié de mes jambes. Et comme ça, bah, grâce à l'argent, ils ont pu m'acheter un fauteuil électrique. Et comme ça, maintenant, je suis vraiment indépendant. On peut dire que... d'une certaine façon, je rentabilise mon handicap pour la première fois de ma vie parce que je mets à profit mon corps, des parties de mon corps qui n'avaient jamais servi jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'elles servent. Oui, je suis conscient qu'elles vont être mangées, mais après, moi, ça ne me gêne pas parce que je mange de la viande aussi et je mange de la viande éthique. Donc, ça ne me gêne pas parce que finalement, les gens qui vont les manger, c'est pareil, quoi. Oui, je remercie mes parents parce que vraiment, ils prennent beaucoup soin de moi. Ils ont donné une deuxième vie à mes jambes, en fait. Et ça, c'est assez beau, oui. Le père de Léo n'a pas souhaité nous communiquer le prix de vente de ses jambes. Selon nos sources sur le marché de la viande éthique, la viande humaine est la plus prestigieuse car la plus rare. C'est un nouveau marché du luxe en pleine croissance. D'autres n'ont pas hésité à y voir la porte de sortie qu'ils n'attendaient plus. Comme Monique, une sans domicile fixe de 57 ans, vivant en banlieue de Lille. Oui, j'ai peur, quoi. C'est vrai. De toute façon, je m'en sers pas tellement mon bras gauche. Avec l'avance qu'ils m'ont faite, j'ai déjà payé un loyer. J'ai retrouvé du travail, alors bon, ça change tout, hein. Ça va me coûter un bras, mais ma vie va repartir. Ça me gêne pas, moi, qu'on mange de l'humain. La viande, c'est de la viande. On est tous pareils, quoi. Monique a reçu la somme de 20 000 euros pour son bras gauche. Après plusieurs tentatives, un acheteur privilégié de viande humaine a accepté de répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Ceux que ça choque, c'est surtout parce qu'ils n'ont jamais goûté, je pense. Et s'ils savaient à quel point c'était bon, peut-être qu'ils changeraient d'avis. Hein. Vous savez, une petite poitrine ou un petit cuisseau avec de l'estragon, ça vaut tous les bœufs cobés du monde. Hein. Je me considère comme un antispéciste, c'est-à-dire que pour moi, l'être humain est un animal comme les autres. Quand bien même certains se considéreraient supérieurs, ce n'est pas mon avis. Donc à partir de ce moment-là, si on mange des animaux, pourquoi pas manger des êtres humains? Voilà, après c'est vrai que moi je peux me le permettre, c'est pas une viande qui est à la portée de tous. Et c'est un petit plaisir, hein. Il y en a qui s'achètent des Lamborghini, mais moi je mange de la viande humaine. Voilà, c'est comme ça. Moi j'ai personnellement déjà relancé quelques familles qui étaient vraiment à deux doigts de finir à la rue grâce à ça. Et puis aujourd'hui, avec les prothèses qu'on fait, on vit pareil, voire mieux qu'avant. Donc non, je vois pas du tout où est le problème, c'est même plutôt une forme d'ascenseur social. Ces derniers temps, Daniel nous confie qu'il reçoit de plus en plus de vidéos de témoignages.
des témoignages qui ne le mettent pas forcément à l'aise. Daniel, je voulais te faire un message vraiment parce que grâce à toi, j'ai tout à changer dans ma vie. Je suis plein aux as. Ton idée m'a offert une nouvelle vie et puis je voulais vraiment te dire mille fois merci, chef. Oui, là, c'est gênant. Hein. Ça me dépasse. Oh, mais je ne suis pas responsable. Hein. C'est la bêtise humaine. Hein. Je ne sais pas rien. Hein. La boucherie éthique aura sans conteste permis de briser de nombreux tabous de notre société. Daniel a réussi à réconcilier l'amour de l'animal avec l'amour de la viande. Qui, dans quelques années, osera encore tuer les animaux quand il est possible de faire le choix responsable d'une viande éthique?